Salut à tous! Alors comme vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Alors ne soyez pas choqués, oui j'ai coupé mes cheveux, j'ai à présent une frange. J'ai décidé d'en refaire une, de base je voulais juste aller couper mes pointes et finalement je me suis un peu laissée aller et j'ai fait une frange. Voilà. C'est la première fois que je me maquille les yeux depuis que j'ai une frange et je vais souvent y toucher parce que ça me perturbe, parce que je vois qu'il y a des petits trous. Donc du coup ça me perturbe un peu, je sais pas trop si vous voyez bien le make-up, le make-up ou pas, mais voilà. Je vous retrouve après des petites vacances en Espagne, du coup c'est pour ça que vendredi vous n'avez pas eu de vidéo, je suis désolée. En fait j'avais fait plein de commandes pour Black Friday et je pensais qu'une partie serait arrivée pour que je puisse m'en servir en vidéo. Et ce n'était pas le cas, donc du coup vu que j'avais pas d'inspiration, que j'avais la flemme de me maquiller des trucs que vous avez peut-être déjà vu, je ne l'en ai pas fait. Voilà, je me suis pas maquillée et je me suis dit que bah, c'était pas grave, pour une fois on sauterait la vidéo, mais voilà. Vous montrer tout ce que j'ai acheté en Espagne, alors pas bah, comme je viens de vous le dire, mes commandes de Black Friday sont toujours pas arrivées. Donc du coup vous aurez sûrement dans les prochaines semaines un haul Black Friday. Donc du coup on va commencer. Aujourd'hui j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. Je vais commencer par les fringues parce que je n'en achète pas souvent, donc c'est rare que je vous en montre. Mais là j'en ai acheté quelques-uns. Enfin j'ai acheté des fringues et des chaussures en fait. Je suis pas le genre de femme qui d'habitude dépense énormément pour des chaussures, des fringues, etc. Je m'achète de temps en temps. Les chaussures, c'est pas forcément un truc pour lequel je vais acheter 15 paires à chaque fois. Mais là j'en ai quand même acheté quelques-unes, donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Premier truc, j'étais chez Bershka et je me suis acheté une veste en espèce de pilou-pilou comme ça, vous voyez, une espèce de fausse fourrure. J'en voulais une depuis super longtemps. Ça rend grosse ce genre de veste, je vous préviens. Mais elle se présente comme ceci, c'est les couleurs un petit peu beige comme ça. Je la trouvais super chouette, franchement elle est bien agréable. Le seul problème je trouve, et c'est d'ailleurs c'est un truc que je comprends pas, les vestes c'est quand même fait pour porter quand il fait froid. Et là le bouton il est ici, donc ça veut dire que tout ça c'est ouvert. Mais genre quelle meuf met une veste pour montrer son décolleté, je ne sais pas. Donc du coup je vais sûrement recoudre un petit bouton ici aussi pour la fermer un petit peu quand il fait froid. Puisque le but d'avoir une veste c'est quand même d'avoir un petit peu chaud. Par contre elle est très jolie, super confortable, elle est aussi très très douce. Et ça me donne l'impression d'avoir toujours un doudou avec moi. Je lui ai dit, je l'ai acheté chez Bershka, il avait aussi une espèce de couleur un petit peu rouille, aussi en violet, et elle était à moins 30%, donc elle est revenue à 32€. Toujours chez Bershka, je me suis racheté des fringues pour le boulot, puisque voilà, je voulais me racheter un pull et un pantalon classique, puisque j'ai toujours été habillée en noir. Donc du coup, j'ai pris un pull vraiment simple, en maille, classique, pas trop trop long, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple en pull noir. Le pull, je sais plus du tout à quel prix il était, mais je me suis pris, je crois que c'est ce qu'ils appellent les jeggings. En fait, c'est des jeans comme ceci, avec une tirette. Là, j'ai pris les tailles hautes, parce que je prends toujours que des tailles hautes, je ne supporte pas les tailles basses. Vraiment que là-dedans que je suis vraiment confortable, où j'ai pas l'impression d'avoir ma culotte à l'air ou l'arrêt de mes fesses. Donc voilà, c'est toujours ce que je prends. Celui-ci, je l'ai pris en 36 comme d'habitude, puisque c'est la taille que je prends généralement. Et c'est un noir, voilà. Je sais qu'ils font aussi des jeans taille haute. Honnêtement, j'ai pas vu de grande différence dans la texture. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas de poche à l'avant au niveau des jeggings. Enfin, forcément, ça change pas grand-chose. Il est très 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 confortable, je l'aime vraiment beaucoup. Et ça c'était 12,99€. Pour les fringues on a déjà fini, oui je sais, je vous ai dit que j'avais acheté quelques fringues. J'en ai vraiment acheté quelques-uns, 3 c'est tout. J'ai acheté du coup 4 paires de chaussures comme je vous ai dit, à nouveau parce que je voulais des chaussures pour aller travailler. Puisque j'ai quelques chaussures noires mais elles sont pas toujours super jolies, je trouve pas qu'elles vont avec tout. Et j'ai envie d'un petit peu changer simplement. Il faut avoir des chaussures confortables. Et donc du coup cette paire-ci, je suis tombée dessus, c'est Lefties. Je sais pas du tout si c'est une boutique qui existe en Belgique, puisque il me semble pas en avoir vu. Je pense que ça existe en France, mais en Belgique je suis quasiment certaine que ça n'existe pas. Donc c'est des bottines peut-être en cuir, je saurais pas du tout vous dire si ça l'est, j'en ai aucune idée. Mais c'est des bottines comme ceci, un petit peu assez compensées devant, semelle vous savez un petit peu assez crantée. Le petit talon très large et un peu compensé du coup grâce à la plateforme devant. Et avec une boucle ici, une boucle là, et alors là c'est ouvert. Je trouve ça hyper joli avec une petite robe, je me dis que ça peut être hyper mignon. Je les ai prises en 38 parce que c'est ma pointure, et celles-ci m'ont coûté 23€. Elles sont super jolies et quand même pas mal confortables. Ensuite, toujours dans les paires de chaussures noires, j'en ai pris 2 paires chez Primark parce que je tombais dessus. En Espagne c'était un grand Primark et du coup ils avaient pas mal de trucs. Et les premières sur lesquelles je suis tombée, c'est celle-ci. Ça, c'est vraiment des bottines très classiques. Vous avez une petite tirette ici sur le côté pour l'enfiler. Et de l'autre côté, vous avez, vous voyez, une petite bande un peu élastique comme ça avec une petite boucle. C'est en espèce d'imitation d'un. Et alors en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est le petit détail ici, tout le long vous avez un petit comme une espèce de fin liseré argenté. Je trouve ça hyper joli, ça fait un tout petit peu plus joli que juste une paire de bottines noires classiques, de par le petit détail argenté, et j'ai trouvé vraiment très belle. Et ensuite je suis tombée sur ça, et alors ça je trouve ça juste trop beau. C'est des chaussures un petit peu imitation Converse noires en faux cuir. Alors celles-ci sont toutes noires. À l'époque moi j'en avais eu des noires et blanches. Déjà c'est hyper léger, c'est très fin, c'est très agréable à porter. Et alors le côté tout tout noir, complètement noir, c'est super chouette. Donc voilà, je les aime beaucoup. Pour les chaussures et de chez Primark, j'aurais pu tout vous dire le prix, mais je crois que c'était entre 8 et 12€. C'est pas plus cher que ça généralement. Et alors je me suis acheté sur un marché une paire de baskets roses. Elles ont un petit détail rose gold un petit peu métallisé au niveau de l'arrière. Et alors ici au niveau de la semelle aussi, vous voyez que j'ai déjà bien porté parce qu'elles sont déjà bien sales, mais elles sont hyper chouettes, assez confo. Et voilà, c'est des petites baskets, tout ce qui est plus classique, un petit peu nude rose. Et voilà, ça change un peu de ce que j'ai d'habitude. Et au moins comme ça, quand je suis pas au boulot, j'ai d'autres paires de chaussures. Maintenant que je vous ai montré mes achats qui n'étaient pas du make-up, on va pouvoir passer
au make-up. Qui dit Espagne dit forcément j'ai couru vers un Sephora. Malheureusement, Sephora où on a été, c'est dans une galerie un petit peu type Inno. C'était dans un Corte Inglés et le problème c'est que du coup c'était un stand en fait Sephora. Il n'y avait pas grand chose. Bon après c'est quand même bien pour mon portefeuille parce que du coup j'ai un peu moins dépensé. Je me suis forcément pris la palette New Nude de chez Huda Beauty, je vous en avais parlé comme quoi je la voulais. J'ai réalisé avec cette palette le petit maquillage que je porte aujourd'hui, qui sera le tutoriel de vendredi. Donc s'il vous plaît, restez connectés, comme ça vous le verrez. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Vous avez sûrement dû déjà voir plein de fois cette palette. Hein. Elle s'ouvre, vous avez le petit visage de Huda Beauty et ensuite les fards qui sont très jolis. Grosse déception sur cette espèce de concealer qui est carrément pourri. Puisque là ça fait 20 minutes que je suis maquillée et j'ai déjà plus de fards au niveau du pli. C'est de la crotte, n'utilisez pas cette partie anti-cerne. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire avec ça, mais c'est nul à chier. Ça fait déplacer tout votre fard. J'ai 5 fards aujourd'hui qui étaient très beaux, très pigmentés. Si vous voulez voir des tutoriels en plus de celui que je vous montre ici vendredi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous ferai ça avec grand plaisir. Ils avaient aussi la petite Ruby Obsession. Ici c'est la gamme avec les pierres précieuses, c'est les Precious Stones. Ils avaient que celle-ci et la topaze. Et la topaze n'était pas dans mon envie. Je les voulais toutes sauf la topaze. Ils avaient que celle-ci, la topaze. Du coup j'ai pris que celle-là. C'est triste parce que des 4, celle que je voulais, c'était pas celle qui me donne le plus envie. Mais voilà, comme ça je l'ai. En tout cas, ça tombe bien puisque les autres palettes que j'ai commandées dans Black Friday sont assez colorées. Celle-ci, je l'ai pas encore utilisée. Elle est très très jolie, très compacte et j'adore le format en fait. En faisant mes petits achats, ils m'ont offert un petit démaquillant biphase, yeux et lèvres. Je trouve pas qu'il démaquille très bien et en plus il m'a piqué les yeux. J'ai aussi acheté ceci. Alors celle-ci, je suis hyper contente de l'avoir trouvée parce que ça fait très longtemps que je la cherche et en Belgique elle n'est pas disponible. C'est la poudre Velvetizer de chez Urban Decay. Je l'ai pris en format mini. Il y avait plusieurs poudres qui étaient sur ma liste, mais toutes celles que j'ai trouvées en format mini, je m'étais dit que je les prendrais en ce format-là parce que je suis assez difficile pour les poudres. D'autant plus que j'ai acheté deux autres poudres que je vais vous montrer par la suite et franchement elle est top. Je l'ai déjà essayée du nouveau dans ce tutoriel, vous le verrez. Mais elle est vraiment bien et je suis assez contente parce que c'est quand même un format quand même relativement correct. Par contre c'était extrêmement cher. Sur pour 4 grammes 18 euros. J'ai pas vu le prix en rayon, mais c'est carrément exagéré. Et je suis pris le anti-cerne Born This Way Multi-Use Coffee Concealer de chez Too Faced. Celui-là franchement il est très bien, c'est celui nouveau que j'utilise aujourd'hui. Il s'étale hyper bien, il en faut vraiment pas beaucoup. Je trouve qu'il est très très couvrant en fait, donc du coup il s'étale vraiment bien avec une mini goutte. J'ai mis de faire toute ma joue. Il est très très bien, il est bien couvrant et il est pas trop cakey sur la peau, celui que je porte à nouveau aujourd'hui, et je l'aime franchement beaucoup, contrairement à l'ancien Born This Way qu'ils avaient fait que je détestais. Ensuite j'ai dû faire quelques petits achats drugstore entre guillemets, puisque dedans il y a un produit qui ne l'est pas, à savoir le mascara Monsieur Big de chez Lancôme en waterproof. J'en avais entendu énormément de bien et du coup je m'étais dit que j'allais l'essayer. Je l'ai déjà utilisé une fois, je vous dis que c'est dans un drugstore parce qu'en fait ils sont vendus pas mal de magasins, ils ont une partie drugstore, une partie high-end. Donc voilà, je l'ai payé 22 euros je crois, ce qui est très bien parce qu'en Belgique je crois qu'il est presque à 40 euros. Et là il était à 30 quelque chose, mais j'avais une promotion de 30%, donc c'était hyper intéressant. Je suis repris deux autres mascaras waterproof, notamment le Essence Volume Hero Mascara, qui est très très bien suggéré aujourd'hui, j'étais vraiment vachement satisfaite. Et le Falsies Push Up Angel de chez Maybelline. Je l'ai pas encore utilisé réellement, donc je suis pas encore à vous dire ce que j'en pense, mais voilà, je l'avais jamais vu en Belgique en waterproof. Donc du coup je me suis dit que j'allais sauter dessus. Je me suis repris mon petit crayon avec lequel j'ai fait mes sourcils aujourd'hui, qui est le Catrice Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Puisque le mien est presque terminé, voilà, je vous avais dit que... qu'il était vraiment bien. Le problème c'est qu'il se vide extrêmement vite. Je me suis racheté un pour les jours où je veux quand même faire fissa fissa. En Espagne je n'utilisais que celui-là tous les jours. Aujourd'hui je les ai fait très très marqués. Il me fait voir un résultat quand même un petit peu plus discret et plus naturel avec ce crayon là, et c'est ça que j'aime bien. Et ensuite chez Ardell j'ai pris la colle Duo, sauf que celle-ci en fait c'est la Quick Set, donc c'est la foncée, mais en fait apparemment c'est une qui sèche vite, donc vous pouvez directement appliquer vos fossiles avec, et ça je trouve ça top. Et comme en plus je n'avais plus de colle foncée, ça tombe juste bien. Et j'en ai profité aussi pour acheter un petit outil pour poser les fossiles, pour vraiment bien les poser. J'ai cherché partout une houppette et j'en ai finalement trouvé une chez Kiko. Alors elle est un peu sale parce que j'y sais aujourd'hui. Je voulais m'en servir pour appliquer ma poudre et voilà, franchement ça applique bien. Le truc c'est que je suis pas encore très certaine de l'utilisation. Est-ce qu'il faut taper ou est-ce qu'il faut un petit peu genre, vous savez, je sais pas. Et bon bref, j'en ai une. Je me suis aussi acheté cette superbe poudre qui me donnait très envie, qui était sur ma wishlist. C'est la Face Studio Setting Powder de chez Maybelline. J'ai acheté là-bas parce que chez nous elle a 15 euros et que là-bas elle était à 8. Et je vous dis ça pour à peu près tous les produits. Hein. Tout le make-up quasiment est moins cher, hormis Essence et Catrice, c'est presque le même prix. Maybelline, c'est 1000 fois moins cher. Vraiment, vraiment, vraiment. Le mascara, c'est pareil. Je crois qu'il m'a coûté 8 euros, alors que pareil, chez nous, il est à 16 euros. Elle est excellente. Elle fixe super bien la peau, elle matifie bien, elle lisse très très bien. Et au niveau du dessous de l'œil, elle ne fonce pas du tout l'anti-cerne. À nouveau, je sais aujourd'hui au niveau de mes cernes. D'ailleurs, que j'ai toutes mes poudres en une fois, je sais. Mais elle est vraiment très 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 bien. Je comprends pourquoi est-ce que tout le monde en parlait. J'hésitais à l'acheter, mais franchement, elle est vraiment top. En plus, je trouve qu'elle lisse un petit peu le grain de peau. Elle est superbe.
Je me suis racheté un petit recourbe-cils parce que le mien commençait à être foutu et qu'en plus avec celui-ci vous avez des petits boulins de rechange. Ce qui fait que j'ai pu en couper un en deux pour remettre sur mon petit recourbe-cils de chez MAC puisque là je n'avais plus du tout de petits boudins. Et que vous savez que j'utilise tout le temps pour vraiment bien recourber mes cils. Et alors chez Bershka on faisait mes petits achats, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je ne pense pas, mais j'ai reçu un bronzer cuit. Donc ça se présente dans un petit packaging comme ceci, ça s'appelle hashtag no sun but tanned. Donc c'est la Silky Bronzing Powder, donc c'est comme je vous le disais un bronzer cuit. Moi il n'y a pas de miroir mais il se présente comme ceci, alors c'est une teinte assez foncée. Celle que je sais aujourd'hui, j'ai l'impression que mon caméra ça ressort super fort, je peux vous assurer qu'en vrai je l'ai bien estompé et c'est très joli. Et alors ensuite j'étais chez Primark, donc premier truc que je vais vous montrer, cette éponge qui est assez dégueulasse puisque je viens d'utiliser, c'est les éponges qui font dans la gamme Disney dans la collection Villains, et celle-ci c'est l'éponge qui était dans le truc de Maléfique. Il y avait trois différentes, il y avait Maléfique, il y avait Ursula et il y en avait une autre dont je me souviens pas je me souviens plus ce que c'était. Et en fait c'est à chaque fois trois formes différentes, moi c'était celle-ci un petit peu forme Beauty Blender qui m'intéressait donc je l'ai prise. Elle est vraiment pas mal, elle est un peu plus dense qu'un Beauty Blender mais franchement elle l'applique très bien et je crois que je l'ai payé 3€ donc c'est carrément correct pour une éponge. Ensuite je voulais acheter cette poudre-ci et j'étais ravie puisqu'elle était à 1€ au lieu de 4€ donc que demander de plus hein. C'est la Rice Powder de chez Primark, je l'ai achetée parce que j'ai entendu Marie en caméléon. On avait parlé dans sa vidéo où elle testait le maquillage Primark et du coup j'ai envie d'essayer. Par contre, je comprends ce qu'elle disait quand elle disait que ça sentait un peu la vieille dame. Enfin, le parfum sent carrément la mamie, mais pas de façon péjorative, ça sent bon, mais ça sent un peu la mamie. C'est une très chouette poudre aussi, celle que j'ai dit sur le trois quarts de mon visage aujourd'hui. Je trouve qu'elle elle matifie très bien. Elle lisse beaucoup et du nouveau, elle ne fonce pas le grain de peau, ce qui est top. J'ai aussi acheté un petit duo de pinceaux estompeurs. Je m'en suis servi qu'une seule fois, j'ai pas trouvé qu'ils étaient ouf. Maintenant, je vais m'en resservir plusieurs fois parce que forcément, je suis habituée à toujours utiliser les mêmes pinceaux pour mes yeux, du coup, c'est peut-être ça. Mais en gros, vous avez un 220 et un 230 et je trouvais ça pas mal parce que ça fait vraiment comme les pinceaux Zoeva ou les pinceaux MAC. Et je trouve quand même vachement joli. Alors ensuite je me suis acheté deux primers. J'ai acheté le matte primer et le radiant primer. Alors en général je rachetais que le matte, mais vu que ces derniers temps j'aime bien faire un teint un petit peu lumineux. J'utilise aussi des lumineux. Donc, du coup j'ai pris le radiant aussi. Donc c'est un petit primer qui se présente comme ceci en format 42 ml. Vu que j'avais été assez bluffée par ma petite priming glow essence qui est tout le temps avec mes primers actuels, je me suis dit que j'allais tester ces deux là histoire de pouvoir vous en dire des nouvelles. Celui-ci il est assez siliconé comme toutes les bases matifiantes, du coup je floute un petit peu le grain de peau, et celui-ci c'est un petit peu comme un highlighter en plus léger, comme une strobing cream en fait. Je me suis aussi pris des petits fossiles, ceux-ci ce sont les Easy Lash. J'aime quand même pas mal les fossiles de chez Primark, du coup je me suis dit que j'allais tester ceux-ci. C'est deux en fait qui sont à chaque fois plus en 4 petits morceaux histoire que vous ayez plus facile à les poser. Moi je trouve ça surtout pas mal, faut en mettre que 1, 2, 3 ou 4 en fonction de ce que vous voulez comme effet. Et puis voilà, je trouvais ça plutôt mignon. Et c'était 1,50€. Celui-là, c'est la gamme vraiment classique. J'ai aussi acheté deux petits produits comme ceci. Ce sont les Liquid Glitter Eyeshadow. Alors, ils ont sorti des Liquid Metals, mais les métalliques, ça m'intéressait pas trop. Ceci, en fait, c'est trop drôle parce qu'il y a plusieurs années, l'année passée, je crois. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Je vous avais fait un maquillage catastrophe parce qu'il n'y avait rien qui avait fonctionné comme je voulais. Et en fait, j'avais acheté des petits produits comme ceci, mais c'était pour les lèvres de base. Un petit peu comme les Diamond Crusher de chez Lime Crime. C'est à peu près le même style. C'est exactement le même packaging, mais pour les yeux. Donc, j'ai pris les deux teintes que j'ai trouvé, à savoir la Rose Gold et la Black Ice. Donc du coup la Rose Gold c'est une teinte un petit peu rouge à paillettes un petit peu dorées. C'est des fards qui sont supposés être un peu comme les stylas. Ce que je vais faire c'est que je vais laisser un petit peu de place pour pouvoir swatcher au mieux les NYX pour que vous puissiez voir. Puisqu'il y en a deux qui ressemblent un petit peu mais c'est pas tout à fait le même effet non plus. Que je vous parlais des NYX il y a pas longtemps. Donc ici vous avez le Rose Gold, je sais pas si vous allez bien le voir, et ici vous avez le Black Ice. Et alors chez NYX, ceux qui pourraient un petit peu ressembler mais quand même pas, du moins je pense pas, c'est le Poppy Fields qui est la teinte 06 qui est quand même selon moi un peu plus rouge. Et ça, elle est beaucoup plus orangée celle-ci comparée à la Primark. Je sais pas si vous allez voir d'aussi loin, mais ici vous avez la Primark et là la NYX. Et alors question paillettes, le Primark c'est beaucoup de paillettes argentées. Dans le NYX vous avez des paillettes et argentées et dorées. Et alors pour le foncé, là non plus on n'est pas sur la même chose puisque le NYX on dirait presque un kaki foncé et le Primark un espèce de gris anthracite à paillettes. Et aussi dans le NYX, je vous avais déjà dit, mais vous avez des paillettes un petit peu rosées, dorées, argentées, un petit peu multicolores. Et ici dans le Primark vous n'avez que des paillettes argentées. Donc voilà, je vais une fois essayer de me servir de ceux-là pour vous en dire des nouvelles et vous dire si j'estime qu'ils sont bien. J'ai aussi acheté deux highlighters qui étaient dans leur collection de Noël. Donc ce sont les Double Dimension, donc double dimension, avec un petit motif un petit peu flocon de neige dedans. Ils sont super jolis. Donc j'ai pris deux teintes, les deux teintes qu'il y avait en fait, à savoir la Radiate, qui est celle-ci qui est un peu plus claire, et la Spotlight qui est un petit peu plus foncée. Donc celui-ci a un packaging un petit peu doré et celui-là un packaging un peu rose gold. Toujours partie de la collection de Noël en même temps que les fards paupières liquides. Et là je m'étais aussi acheté un petit démaquillant format voyage. Voilà, c'est leur classique Easy on the Eyes. Un démaquillant biphasé qui fonctionne très très bien, je m'en sers très souvent pour les yeux. Pour terminer chez Primark, j'adore les accessoires de Noël chez eux. Donc j'ai acheté ces petites pinces qui peuvent servir de broche à vêtements en fait. Donc ils sont un petit peu comme des petites feuilles de houx. Donc la partie verte est à paillettes et puis vous avez trois petits pompons. Il faut aussi très bien vous en servir au niveau des vêtements en pinçant comme ça et en le mettant dessus. Moi j'ai acheté ça spécialement pour mettre au travail parce que j'adore la près de Noël, je remets des trucs de Noël. Celles-ci, comme elles ont des petits
clips, vous savez aussi très bien vous servir dans les cheveux. Donc voilà. Et en plus, ce qui est super cool, c'est que la partie dentelée au-dessus qui peut parfois s'accrocher dans les vêtements et abîmer, elle est recouverte en fait de petits trucs verts. Donc vous la voyez pas et ça abîme pas les vêtements ni les cheveux. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc c'est des petits paquets de 2 qui étaient à 3€. Et alors, je me suis acheté des petites oreilles comme ceci. Je sais pas si vous allez voir, mais ça donne un petit peu comme pour les emballages cadeaux argentés. Je trouvais ça hyper cute, super kitsch mais cute. Et ça y est, maintenant j'ai enfin fini. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait, pour rester au courant des prochaines vidéos. Si vous voulez voir certains des produits que je vous ai montrés en vidéo en tutoriel, n'hésitez pas à me dire à nouveau dans les commentaires, je vous ferai ça avec grand plaisir. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.